Il est nécessaire de suivre les ventes de produits laitiers dans les magasins de détail parce que ces produits laitiers représentent 60% de la consommation de produits laitiers. Pour information, 30% sont consommés en tant qu'ingrédients dans le croissant, dans le chocolat sous forme de poudre et 10% en restauration à foyer. 60% donc pour les ventes en magasin. Les produits laitiers représentent 20% des dépenses alimentaires des Français. C'est considérable. La crise économique de 2011 n'a pas eu d'impact sur la consommation alimentaire, ni sur celle de la consommation des produits laitiers, alors qu'en 2008-2009, l'impact avait été relativement sensible puisque les ménages français avaient diminué leur consommation de 1%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le rayon des fromages en libre-service s'est bien comporté en 2011 puisque les ventes ont augmenté de 1,3% en volume. Il est à noter que la filière s'adapte aux nouveaux usages, aux nouveaux modes de consommation de consommateurs, puisque ce qui progresse le plus au niveau du rayon fromage, ce sont des fromages qu'on va utiliser en tant qu'ingrédients pour des plats chauds, donc des fromages râpés, des préparations pour fondue, ou bien dans des salades, des dés, etc. Ces marchés qui représentent 25% du marché des fromages progressent de 4%. En revanche, les fromages qui sont consommés plutôt en fin de repas sur un plateau, eux, voient leur consommation légèrement s'effriter. Alors, un autre produit dont les ventes progressent sensiblement, c'est la crème. La crème dont les ventes progressent environ de 3% en volume. Un marché qui fait à peu près 5% en valeur et qui fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'on trouve aujourd'hui des crèmes longue conservation, fraîches, différentes textures, épaisses, liquides, semi-épaisses. Différents taux matière grasse, standard, 30% matière grasse, 15% de matière grasse, voire même ultra léger. Alors le marché des ultra frais est composé en fait de trois grandes familles, ce qu'on appelle les laits fermentés, donc les yaourts, les probiotiques, etc. Nous avons les fromages frais avec les fromages blancs, les suisses, deuxième famille, et la troisième famille, les desserts frais. Ces trois familles voient leur vente peu évoluer cette année. Alors c'est un marché assez étonnant puisque sur moyen terme, c'est un marché qui progressait continuellement. Et puis à partir de 2008-2009, un trou d'air. Et depuis, on est un peu sur des montagnes russes et là, on est plutôt stable. Alors pourquoi ces hausses et ces baisses? Une hypothèse que l'on peut formuler, c'est que en définitive, le marché monte en gamme sur un segment et on se fait plaisir, on dépense toujours autant, mais on consomme peut-être en moindre quantité. Donc, après avoir examiné les marchés qui progressaient et qui demeuraient stables, abordons maintenant deux marchés dont les ventes s'érodent année après année. Je veux parler du marché du lait liquide et du marché du beurre. Alors, le marché du lait liquide s'érode au fil du temps. Pourquoi? Alors, plusieurs raisons sont avancées. La modification des structures du foyer, plus de personnes seules, âgées, mais aussi des changements au niveau des prises du petit-déjeuner. On peut substituer au lait, un jus de fruits, un yaourt avec des céréales, etc. Parfois des petits déjeuners qu'on saute. Et comme le lait est essentiellement consommé au petit déjeuner, forcément, cela a un impact sur ses volumes. Autre raison également, moins d'usage du lait en cuisine, puisque maintenant il existe des produits tout préparés. Alors, face à cette situation, cette érosion, des nouveaux produits sont apparus pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, ce qu'on a appelé les laits spécifiques. Vitaminés, enrichis, délactosés, lait de croissance, qui ont dynamisé le marché. Et le plus grand succès que l'on note depuis 3-4 ans, c'est le développement des ventes de lait biologique. 7% de progression en 2011 et aujourd'hui 7% du marché en volume, c'est notable. Le beurre, l'autre marché qui voit ses ventes s'effriter. Alors, pourquoi cette érosion année après année? Les raisons sont assez similaires à celles du lait, c'est-à-dire que le beurre utilisé en tant qu'ingrédient dans la cuisine a tendance à disparaître. Aujourd'hui, une pâte à tarte, on peut la faire le week-end quand on a un peu de temps, mais sinon, vous allez l'acheter au supermarché déjà toute prête. Beaucoup de plats préparés également, que les gens consomment et achètent dans les magasins, en lieu et place de plats qu'ils feraient chez eux avec du beurre. Donc ça, c'est la raison de fond. Malgré tout, là aussi, pour essayer de donner un peu de dynamisme à ce marché, des innovations sont fait jour, des beurres haut de gamme, moulés, tartinables, ambeuriers, trouvent un certain succès auprès des consommateurs. Donc, ce marché du beurre est en recul malgré tout de 4%. Alors, l'autre segment de ce marché, celui des beurres allégés, se développe très bien. Plus 14% d'évolution en volume
et une part de marché aujourd'hui de 13%. Alors pourquoi ça se développe? Eh bien parce que je pense que les consommateurs trouvent à la fois un produit qui a du goût et aussi de la légèreté. Alors en résumé, malgré une année de 2011 de crise, la consommation de produits laitiers a plutôt bien résisté, sans doute parce que ce sont des produits essentiels et qu'ils figurent toujours sur la liste des courses.